Cette animation est proposée par EduMedia. Elle va te permettre de mesurer la consommation d'énergie de certains appareils utilisés à la maison. Pour mesurer notre consommation d'énergie, EDF utilise un compteur d'énergie. Il est disponible ici dans l'animation et en cliquant dessus, tu pourras l'ouvrir. Ce compteur t'indique deux choses, la puissance consommée en watts et l'énergie consommée en kilowatt-heure. D'habitude, les énergies sont mesurées en joules, mais on verra ça plus tard. Ici, dans la maison, en déplaçant la souris sur les différents appareils, tu peux faire apparaître leurs caractéristiques. Comme ici, par exemple, le radiateur de la chambre a une puissance de 1000 watts. En cliquant dessus, je peux allumer cet appareil. Le compteur d'énergie se met alors en marche puisqu'il est en train de consommer de l'énergie électrique. La petite roue tourne avec le petit repère qui nous permet de savoir quand la roue a fait un tour et ici tu remarqueras que le chiffre augmente puisque on a une énergie consommée. En cliquant de nouveau sur le radiateur, je l'éteins, le compteur s'arrête et la puissance consommée est en nulle. Je peux aussi choisir de faire fonctionner un autre appareil, par exemple ici le lave-linge de puissance 1500 watts. De nouveau, le compteur se met à tourner et je peux mesurer l'énergie qu'il consomme. Voilà, ce n'est pas bien compliqué. Alors, à toi de jouer !